butait des apparences. Ce portrait de soi sur les façades des immeubles, oh, se voir en miroir. Chaque fenêtre appelle l'autre en autant de paupières baissées, et une après l'autre, tout un visage qui se forme et se déforme en une grimace obscène, têtue, indocile, regardant par-delà l'horizon les rayons de lumière du soleil qui frappent toujours au centre du front et ne font jamais baisser les yeux sur les désastres, les terreurs, l'effroi que suscite chaque instant l'ombre portée du réel sur chaque chose jusqu'à moi. C'est ainsi, pierre qui fabrique pierre après pierre, l'immeuble de pierre qui se dresse là pour arrêter le flux des choses. Souvenir, rêve ou désir, façade qui ne raconte pas d'histoire, ne témoigne que des brûlures, sur quoi se porte cette obsession d'exister, cette insistance à demeurer. Et plus loin, ce sont d'autres fenêtres, qui sont l'envers des fenêtres, trouées de lumière par où passe le ciel, non, pas le ciel, son ombre. On pourrait tendre la main dans le gouffre, c'est comme le vieux geste de Thomas dans la plaie du Christ, fouiller pour se prouver à soi que la mort n'est pas là et que ce n'est pas la vie, et c'est autre chose qu'on fouille, cela qu'on nomme sacré, et ne sera jamais à la hauteur de sa propre forme béante. Finalement, tout à côté, je trouve l'image parfaite, fenêtre peinte sans profondeur ni surface, signe d'une fenêtre, trace sans mystère, portrait parfait de soi-même et de ce monde qui tout autour vibre encore machinalement, machine qui avance vers ses décombres, tandis que le jour s'efface, que la nuit n'attend pas pour fondre sur lui, qu'elle est déjà là.